Bonjour à tous, bienvenue au Vidéojournal. D'abord, un cas d'harcèlement criminel à Val-Bélair a de quoi surprendre. Sept personnes, la plupart d'âge mineur, ont été arrêtées hier soir près de la rue L'Etna. La police de Québec les soupçonne d'avoir fait de l'intimidation extrême sur un jeune mineur. Ce sont d'abord deux adolescents qui ont composé le 911 parce qu'ils étaient suivis et menacés par un groupe d'une dizaine de personnes, dont certaines étaient armées et cagoulées. Peu de temps après, les policiers ont localisé sept individus qui n'ont pas voulu collaborer. Tu peux se mettre à provoquer les policiers, encercle les policiers, insulte les policiers qui sont sur place. Les deux premiers policiers appellent des renforts pour procéder aux arrestations. Et lorsque les renforts sont arrivés, les arrestations ont débuté. Lors de l'appel 911, les policiers avaient l'information que les individus étaient potentiellement armés de couteaux. Donc, les policiers ont donné des directives qui étaient assez claires et ont dû faire présentation de l'arme à impulsion électrique qui n'a pas été utilisée pour pouvoir maîtriser l'individu. Les jeunes de 14 à 19 ans pourraient être accusés de harcèlement et de port de déguisement dans un but criminel. Ils ont été remis en liberté sous plusieurs conditions, dont celle de ne pas importuner les victimes et de ne pas communiquer entre eux. Et à l'approche de la Saint-Jean-Baptiste, on poursuit en parlant de feux de foyer extérieur. Fini l'obligation d'avoir une cheminée. Seul le pare-étincelle sera dorénavant nécessaire pour les citoyens de la Ville de Québec. C'est ce que prévoit la nouvelle réglementation. La Ville rappelle aussi qu'un foyer extérieur au bois doit être situé à un minimum de 3 mètres de tout bâtiment ou de galerie et de la limitation de son terrain. Une hausse d'achalandage de 30 % dès la première année, c'est ce que le RTC prévoit à l'an 1 de l'implantation du réseau structurant. Le rapport dévoilé par le RTC prévoit 10,4 millions de déplacements supplémentaires dès 2028, soit l'année de la mise en service du tramway pour un total de 45,1 millions. En 2043, 2 millions de déplacements annuels de plus sont prévus, soit une hausse de 35 % de l'achalandage en transport en commun par rapport à l'année de référence, soit 2019. En terminant, Catherine Dorion a posé sa dernière question ce matin à l'Assemblée nationale. Encore une fois, le ministre Bonnardel a été questionné sur la pertinence du troisième lien. C'était Louis-Philippe Arsenault. Pour plus d'informations, consultez l'application Info de Radio-Canada.